Nabil, je représente l'équipe des Bar Tigers. Je suis un sportif qui fait du street workout. On est quatre dans l'équipe. C'est un sport qui consiste à faire des figures, se muscler dans la rue, quoi, en ayant besoin que du mobilier urbain. L'avantage dans ce sport, c'est qu'il n'y a rien qui est interdit. C'est que tout est permis, il n'y a que tes idées à toi qui sont limitées. C'est à toi de développer tes idées. Les qualités à avoir pour être dans ce sport, c'est qu'il faut être très patient. Parce qu'avant d'en arriver à un niveau comme ça, il faut de l'entraînement, il faut être motivé, il faut être très déterminé. Vas-y, regarde, vas-y, c'est bon. Alors cette pratique, elle existe depuis longtemps, elle vient des pays de l'Est. Les bases, c'est qu'eux, ils n'avaient rien pour se muscler, alors ils se musclaient au poids de corps. Des pays de l'Est, elle a émergé vers les États-Unis. Elle a été longtemps développée aux États-Unis. Puis après, elle est arrivée ici en France parce qu'on a tous été inspirés par un certain Hannibal qui est très connu aux États-Unis. C'est le gars qui a ramené justement le street workout aux États-Unis. Et ensuite, il a publié ses vidéos sur YouTube. Nous, ici en France, on l'a vu. Ça nous a inspiré. Et puis, on a commencé à tous s'y mettre. Puis, on en est arrivé à là. Vas-y, le braille. Comment ça se déroule ? Allez, tiens. Ici. Franchement, le street workout, c'est une pratique qui est en train de vraiment bien se développer parce qu'il y a déjà une demande qui a été faite par une fédération de street workout mondiale pour rentrer dans les Jeux Olympiques. C'est en pleine étude. Il y a des compétitions internationales qui se déroulent partout. Ici, il y en a une en France qui s'est déroulée, qu'on a fait. Il y a un championnat du monde officiel qui passe même sur Eurosport 2, qu'on a été invité à faire pour l'année 2013. Après, il y a aussi une coupe nationale. Ce qu'on aimerait bien, nous, c'est que ça se développe encore plus et que la France ait une équipe de France pour pouvoir représenter ça dans le monde entier. Quand tu pratiques tout seul, ok, c'est bien, tu t'entraînes, tout ça, mais quand tu es en équipe, c'est toujours motivant parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera entre guillemets plus fort que toi et que toi, tu auras envie de... C'est motivant en fait, ça va te motiver pour devenir plus fort que lui. Et quand vous entraînez en équipe, par exemple, vous lâchez moins que quand vous êtes tout seul. Vous êtes encore plus motivé et déterminé à avancer. Oui, je suis tombé.
Je vais faire un échec après.